chaque être humain est fait pour le bonheur. On n'est pas fait pour être triste et de se sentir vide. Non, on est fait pour la vie en plénitude. Et le moine, quand il entre au monastère, c'est pour trouver le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas l'accumulation de biens matériels, mais c'est quelque chose qui nous est donné parce qu'on est ouvert pour l'accueillir. Et donc, il y a aussi une dimension de contentement de ce qu'on a, de ce qu'on est, sans essayer de chercher quelque chose d'autre qu'on n'est pas ou qu'on aimerait être, ou qu'on n'a pas et qu'on aimerait avoir. Quel est le plus beau don que je reçois et pour lequel je ne suis pour rien? C'est la vie. Et chaque matin, au fond, c'est un petit miracle de devoir se réveiller. C'est pas dit d'avance que demain matin, je vais me réveiller. Mais effectivement, si je me réveille, je trouve ça extraordinaire. Il y a quelqu'un, donc ce quelqu'un, c'est Dieu, quelqu'un qui nous cherche, qui veut notre bonheur, qui nous aime, qui nous montre le chemin du bonheur, même nous, messieurs-là, on dit souvent non, non, non. Et puis, oui, c'est comme ça. Quelqu'un qui m'aime. Le regard du Christ dans l'icône, c'est vraiment l'invitation d'aller aux profondeurs, de sentir son regard aimant posé sur moi, et dans ce regard, au fond, parce que je vois le Christ me voit, ça touche en moi quelque chose qui me dit j'existe. Dans son vœu, parce qu'il me voit, alors j'existe pour quelqu'un. Alors je suis à la maison de moi-même et de Dieu, dans cette présence, dans ce regard du Christ. Et ça, c'est le vrai bonheur, justement. Alors, il faut dessiner sur le bonheur. Selon moi, on a plus de bonheur de partager que de
recevoir. Si on renonce à soi-même pour le Christ, je crois, on trouvera le bonheur. Il faut que je renonce à moi-même pour entrer en Dieu, dans le bonheur. Parce que le bonheur est en lui. C'est difficile parce qu'on veut tout avoir. C'est douloureux parce qu'on a peur de perdre. Mais je veux dire, c'est par surplus que c'est compliqué. Au fond, si on accepte de se laisser dépouiller, c'est là. Tout est là. Nous sommes terriblement libres, terriblement libres. Donc nous pouvons nous ouvrir ou nous fermer à Dieu. Ça reste... Le père René, qui était mon professeur de philosophie, est mort en 89. Qu'une fois, il s'interrompait et disait, « Chers frères, au fond, Dieu, ce n'est pas un mystère. Ce qui est un mystère, c'est l'homme. » Parce que Dieu, en ce sens, n'est pas un mystère, il est amour, et il veut se communiquer, il est débordement de communication, de joie de, quant à lui. Mais nous, nous pouvons nous entêter à ne rien vouloir. Prière est une chose magnifique, c'est se colloque avec, avec Dieu que tu ne vois pas, mais tu, il n'est pas sur les étoiles, les Russes ils ne l'ont pas trouvé quand ils ont envoyé les astronautes, il n'y a pas de Dieu, mais c'est pas de Dieu est dans notre cœur, il est au fond de toi, et voilà, d'essayer si on peut descendre au fond de ton cœur, c'est là que tu peux trouver Dieu. Et là, il est là qu'il t'attend. La foi, c'est pas croire que Dieu existe, c'est croire que j'existe pour Dieu, que j'ai une place pour lui. Je crois que si on arrive à dire oui à la volonté de Dieu, si je crois que tout ce qui m'arrive, c'est dans le plan de Dieu, et si j'arrive à accepter ça, moi, on a la paix intérieure et aussi, je dirais, on a la le bonheur qui vient. Je pense qu'il y a des moments dans nos vies où c'est où on n'arrive plus, où le poids de la solitude fait qu'on n'arrive plus à voir, à sentir cette relation fondamentale.
qui nous unit à la nature, aux autres, à Dieu. Et là, c'est comme un désert qu'il faut traverser. Dans le désert, je pense qu'on voit, plus de vie du tout, on voit que du sable. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de plantes, il n'y a personne. Et quelquefois, je pense qu'on peut aussi traverser des déserts spirituels où on a l'impression qu'il n'y a rien, tout simplement il n'y a rien. On est juste un point perdu dans un univers. Et ça, c'est sûrement l'épreuve la plus difficile. Et je pense qu'on ne peut pas prévoir, il n'y a pas de recette, je crois, pour éviter ça. C'est peut-être quelque chose par lequel il faut passer. Et garder confiance que quelque part, dans tous les déserts, il y a des puits. Que la vie va désirer que la vie se remanifeste. Mais surtout, au fond, le désirer pour être prêt à accueillir la première goutte qui va arriver. Le Christ sur la croix, il a passé un moment absolument terrible. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais en même temps, il était heureux parce qu'il était en train de sauver le monde. Les deux sont mélangés. Je pense que nous, on vit un peu ça, pas au même niveau que Jésus, on n'est pas Dieu, mais il y a ces deux pôles qui se croisent, qui se... Moi, le bonheur pour moi, c'est accepter chaque chose que Dieu m'envoie, oui, et faire ce qu'on me commande, n'est-ce pas? Oui. Et quand il y a des contrariétés, que j'accepte aussi ça, et parce que ça fait aussi partie de notre cheminement vers Dieu. On ne peut pas aller à Dieu sans porter sa croix, n'est-ce pas? Les uns, c'est plus lourd, les autres. Plus léger. Donc il y a une boutade, disons, j'ai entendu dire, bon, je la dis peut-être pas maintenant tout à fait comme c'est écrit, mais il y avait quelqu'un qui se plaignait envers Dieu que sa croix était trop lourde, n'est-ce pas? Et puis Dieu a dit, tu peux choisir une plus légère, et puis il est allé voir les différentes croix, il a choisi la plus légère, il a dit, celle-ci j'aimerais. Puis Dieu lui répond, oui, c'est celle que tu avais jusqu'à présent, n'est-ce pas? Tu vois? Parce qu'on croit souvent que les autres ont des croix plus lourdes que nous, mais finalement, chacun reçoit la croix qu'il peut porter. Et s'il accepte cette croix, il est heureux, je dirais, oui. Si j'ai dit oui à la volonté de Dieu, je trouve la paix, c'est ça. Je dois ajouter un post-scriptum. Je me rends compte que j'avais fait une faute orthographe. Mais c'est aussi bien pour le bonheur qu'on accepte qu'on n'est pas parfait. Le bonheur ne vient pas de nous, mais il dépend essentiellement de nous, de notre disposition intérieure. En fait, il faut se dire, les choses sont magnifiquement belles et je ne sais pas les voir. Donc il faut que je travaille pour apprendre à voir. Tu peux te réjouir de voir une fleur. Et ensuite, tu peux te réjouir de voir
seulement. C'est comme si tu avais lâché l'objet et que tu viens rejoindre le mystère de la vue et te dire qu'au fond, Dieu te donne de partager sa vision, de voir avec lui. Donc pas seulement la fleur, tout. C'est très époustouflant de voir comme des expériences en soi, objectivement extrêmement simples et pas du tout sophistiquées, simplement parce qu'on est complètement présent, quelque part nous font toucher mystérieusement ce qu'est ce bonheur. Parce que justement, c'est pas dans des choses nécessairement extraordinaires, mais c'est dans une espèce de correspondance entre ce qui m'est maintenant offert et la disponibilité que j'ai par rapport à ça. Derrière moi, il y a un splendide paysage que j'ai découvert il y a déjà des années. Le jour où je l'ai découvert, ça m'a laissé suspendu. J'ai dit, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu l'abbaye de cette manière. Simplement les toits, je trouve ça fantastique. Puis en plus, là vient s'y ajouter du maïs qu'il n'y avait pas ce jour-là. Voilà, eh bien, la capacité à tout simplement à regarder, à accueillir cette beauté qui est là devant moi. Quelque part, j'ai l'impression qu'on touche le bonheur. Hier, après la sieste, j'étais pas bien. Je dis, ouh là là, ça va mal. Et puis, aujourd'hui, ça va très bien. Parce que ce matin, j'ai pensé, ah oui, je suis très heureux d'être plus qu'un petit rien. Voilà, ce petit rien que je suis. Je suis très heureux d'être là, d'être seul, parce que c'est très léger, ce rien. C'est tout le poids, oui. Artificiel que l'homme prend sur ses épaules. Il lui se donne de l'importance, tandis que je suis un petit rien. Très léger, qui peut, oui, s'envoler.